Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Épistémé Entrepreneur. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marine Lommel, fondatrice d'Infuse Communications, au pluriel. Marine est une experte de la communication d'entreprise avec plus de 10 années d'expérience au service de la science et des entrepreneurs scientifiques, et plus particulièrement des startups biopharma et medtech. Sa devise est démystifier la science, valoriser les chercheurs, promouvoir les entreprises, pour créer les liens dans la société et les patients en besoin. Et j'ai piqué une punchline, je dirais, dans son livre dont on parlera un peu plus tard. La communication est une science qui doit servir les autres sciences. Donc j'adore cette phrase, donc je vais la garder, hein, Marine, je vous la pique. Bonjour Marine, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et vous? Ça va bien, ça va bien. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que vous avez une expertise qui est précieuse. Et rare en plus, qui est fondamentale, je dirais, pour le monde de la science et particulièrement de la science médicale et de la science de la vie appliquée à la santé. Donc, c'est quand même très important de vous avoir aujourd'hui et d'avoir cet échange entre nous. L'interview, on va dire, c'est à bâton rompu, mais on va dire globalement, c'est en trois phases. Une phase, moi, j'aime bien un peu connaître mes invités. Leur parcours, ce qui les a motivés pour devenir la personne qu'ils sont aujourd'hui. Ensuite, on parlera aussi de votre motivation de créer une agence, un cabinet de conseil et un centre de formation, parce que ce n'est pas commun, hein. Je dirais, avec votre expertise, vous aurez pu très bien travailler dans une big pharma, etc., avoir un peu le confort, mais l'entrepreneuriat, donc ça implique aussi une particularité qui est d'aller chercher les clients, se promouvoir, etc. Ce n'est pas commun, donc j'aimerais aussi savoir ce qui s'est passé, quelles sont les motivations intrinsèques et extrinsèques qui vous ont poussé à créer votre agence. Et troisièmement, évidemment, en troisième partie, on parlera en détail de votre agence Infused Communications, est-ce que ça vous va? Est-ce que le plan vous va? Parfait. Super, super. Bon, bah, écoutez, Marine, bonjour. Et puis, quel a été votre environnement familial quand vous étiez enfant? Est-ce que vous étiez baigné, je dirais, dans une culture scientifique ou vous aviez des parents communicants Je vais vous décevoir, pas du tout. Pas du tout. Non, plutôt, moi j'ai grandi dans une atmosphère binationale entre la France et l'Angleterre. Plutôt dans le tourisme et la culture, paradoxalement. C'est venu, en fait, c'est même dans mon éducation, j'étais pas spécialement portée sur les sciences. C'est venu plus tard. Et en fait, l'arrivée dans le secteur biotech, c'était en 2012 quand j'ai été recrutée chez Bioin, qui est le pôle de compétitivité wallon de santé en Belgique. Et là, en fait, j'ai candidaté vraiment par hasard. Et j'ai découvert le monde des biotech lorsque j'ai déposé ma candidature. Et quand j'ai eu le job et que j'ai découvert le secteur pour de vrai, je vais pas dire que je suis tombée amoureuse, mais presque, parce que ça a été une redécouverte totale pour moi de ce que c'était la science et de ce que ça pouvait apporter concrètement, ce qui à l'école est très difficile de percevoir finalement. C'est intéressant ce que vous dites. Ça veut dire que pendant votre parcours scolaire, vous n'avez pas forcément été, je dirais, stimulé par les profs ou les cours de sciences qu'on peut avoir en primaire ou au collège ou plus tard. Alors, au lycée, j'ai eu un attrait pour la chimie, très poussé pendant tout un temps, mais je suis plutôt une littéraire. Donc, j'ai suivi aussi un petit peu là où j'avais plus de facilité, je pense, et où j'avais plus d'intérêt. Mais c'est vrai qu'au niveau du lycée, la chimie, ça me plaisait bien. Mais après, il fallait choisir une orientation et proportionnellement, la science versus tout ce qui était sciences éco et littérature était bien moins importante pour moi. Je n'avais pas ma place pour moi dans une filière scientifique. Donc, je me suis orientée là où je me sentais le mieux. Et en formation, je dirais, initiale, vous avez une formation initiale très solide en marketing et en communication et même en journalisme. Donc, quand vous avez entamé ces études-là, vous vous prédestiniez, je dirais, à travailler dans les médias ou, je ne sais pas, moi, dans le web tech ou. Alors non, à l'époque, je voulais écrire des chroniques littéraires. Voilà. D'accord. J'étais passionnée par, enfin, je le suis toujours d'ailleurs, hein, Et c'est par vrai que la vous avez fait Hippocagne, c'est vrai ça. chimie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et là encore, bah, rapidement, hein, parce que vous le soulignez, j'ai fait Hippocagne. Et je ne suis pas allée jusqu'au bout parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas la version de la littérature que j'avais envie d'approfondir. Ce n'était pas ma grille de lecture à moi. Et donc, j'avais besoin de continuer dans quelque chose qui me parlait plus, peut-être une première étape vers soi, hein, quelque part, où on sort un peu du moule scolaire. Mais donc, oui, c'était la racine de l'orientation, c'était chroniqueur, littéraire. Et donc, vous suivez donc
une école de commerce, c'est ça, hein, dans le domaine J'ai de d'abord fait marketing? un bachelor en communication en Belgique, où là, on a vraiment les bases dans tous les métiers de la com, relations publiques, relations presse, avec un aspect journalisme, effectivement, événementiel, etc. Mais je savais que je ne voulais pas m'arrêter là, parce que si je voulais aller plus loin dans ma carrière, je devais avoir un master. Et donc, je suis allée à l'Institut des techniques et stratégies de communication à Lille, qui est rattaché à l'Université catholique de Lille, qui est une école où on apprend la communication. C'est une école professionnalisante, où là, je suis allée plus loin dans tout ce qui touchait à la stratégie, où effectivement, là, on rattachait aussi la stratégie de com dans l'univers plus corporate, plus business de l'entreprise. Et c'est ce qui me manquait, c'est pour ça que je suis allée là. Puis c'était aussi l'opportunité pour moi d'internationaliser mon parcours. Je suis partie aux États-Unis, ça m'a aussi permis d'élargir mes horizons, ça m'a aussi ouvert des portes pour plus tard. Et combien de temps vous êtes resté aux États-Unis? C'était un échange universitaire, donc je suis restée 6 mois. Mais c'est vrai qu'au cours de ma vie, enfin, je vous l'ai dit, moi j'étais élue dans une culture franco-britannique et j'ai été amenée assez souvent à interagir. Je suis partie quelques temps en Australie, je suis partie aux États-Unis, j'ai vécu entre la France et l'Angleterre pendant 10 ans, donc c'était naturel pour moi de partir dans cette voie-là. Bon, on en parlera après, mais j'imagine que ça a aussi une incidence aussi sur votre prospection sur Infused, où vous pouvez partir parfaitement, je dirais, prospecter des biotechs anglophones que francophones. Ça ne pose pas de problème, j'imagine, c'est même vos formations, non? Alors pour l'instant, On en discute après, mais ça, c'est juste, j'avais envie ça juste envie de pose poser pas de la question. problème. Non, ça ne pose pas de problème. L'anglais n'est pas un problème. Oui, parce qu'évidemment, le monde scientifique, la langue scientifique, on peut le regretter ou pas, mais c'est comme ça, c'est l'anglais, donc Comme pour le business, même exactement. si a priori peut-être le chinois maintenant doit contrebalancer cet effet de fait, a priori ça reste quand même anglais, oui. D'accord. Bon, bah écoutez. Donc vous avez une formation solide en communication donc j'ai même cité que vous avez fait une formation journaliste. Donc vous êtes vraiment une professionnelle du marketing communication d'entreprise. Donc après je dirais vos stages et vos et vos et j'ai envie de dire vos échanges universitaires. Donc c'est là où vous avez postulé chez l'incubateur Et de Biowin, le pôle, ouais. oui, c'était à l'issue de mes études et ça s'est fait très rapidement en fait. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, c'était un coup de chance parce que la date de clôture des candidatures approchait et j'étais hyper active dans ma recherche. Donc, je les ai recontactées en disant est-ce que j'ai une chance d'être sélectionnée? Et donc, elle m'a dit bah, renvoyez votre CV. Et puis le lendemain ou le surlendemain, je pense que j'étais rappelée. Donc, j'ai bien fait de passer ce coup de fil. Et à ce moment-là, j'adore ce genre d'histoire parce qu'à ce moment-là, je me dis, donc vous envoyez votre CV, mais est-ce que vous avez une idée de ce que c'était toute cette biotech? Parce que déjà la biotech pour beaucoup de gens, on ne sait pas ce que c'est. Mais alors les sciences de la vie, la biologie, en plus qui donnent des biotechnologies, qui peuvent donner des entreprises, enfin, je veux dire, c'est un monde à part. Donc vous êtes arrivé, vous ne saviez rien en fait. Alors, je ne sais rien dans le sens où on ne sait jamais rien. On va le faire de façon très philosophique. Par contre, il faut savoir quelque chose sur moi, c'est que je suis toujours très pointue dans mes recherches d'informations. Donc, je ne me serais jamais présentée chez Biowin sans avoir fait ma recherche avant. Ce qui fait que j'ai quand même été regarder si ça m'intéressait. Et donc, j'ai découvert ce que c'était que la biotech en général, puis les biotech rouges en particulier, qui sont celles rattachées au domaine des sciences du vivant. Et je me suis dit, waouh, c'est pas mal. Je ne savais même pas, effectivement, qu'il y avait tout ça et qu'il y avait tout ça en Wallonie. Et donc, j'ai posé ma candidature en me disant, je vais découvrir quelque chose. J'étais vraiment dans cette démarche-là. Et la Wallonie, mais aussi la Belgique en général, est très très dynamique en matière de recherche fondamentale et appliquée. C'est un petit pays, mais très très dynamique. Moi, je suis vraiment admiratif de ce que peut faire la Belgique. Et donc, il n'y a pas très longtemps, j'avais donc invité en interview toute l'équipe, je dirais, de Yourcare, qui est donc un des startups studios en biotech, qui est un des meilleurs, je dirais, européens. Et donc ça a été déjà c'est émergé en Belgique hein, donc c'est vraiment une entité géniale et oui effectivement c'est très dynamique et donc vous tombez là-dedans dans cet incubateur qui est vraiment elle aussi très dynamique puisqu'elle produit beaucoup de startups de très grande qualité. Alors là-dessus, je vais un peu Ah, corriger. C'est allez-y. pas un incubateur, c'est un pôle de C'est compétitivité. ça, voilà. Contrairement à un incubateur, le pôle ne développe pas de start-up. En fait, à l'époque, et bon, sa mission a évolué dans le temps, mais fondamentalement, on est toujours dans les mêmes axes stratégiques. L'idée, c'était de créer un écosystème, de renforcer cet écosystème entre l'univers académique, industriel et clinique. Comment? Via des appels à projets de recherche et développement qui mettaient en commun ces différentes parties prenantes, via la mise en place de toute une infrastructure logistique et manufacturière dédiée
la production de matériel biotechnologique via des formations. Donc, où il fallait aussi constituer un talent pool en Belgique de métiers qui n'existaient pas encore. Et ça a été et ça reste la mission de BioWin et appliquée au secteur biotech, pharma, biopharma, medtech. Ouais. Et donc, vous êtes resté combien de temps chez BioWin? 4 ans. 4 ans. Oui, c'est intense, hein, parce que pendant 4 ans, là, vous avez le temps, je dirais, de voir tout à 360 degrés l'écosystème de l'innovation santé depuis, je dirais, le laboratoire universitaire ou les centres de R&D Big Pharma jusqu'à la start-up et puis les essais cliniques, puisque évidemment, un centre de compétitivité est en interaction avec tout cet écosystème-là. Plus les CRO, plus tous les prestataires de services qui s'intègrent aussi dans la chaîne de valeur de production de technologies et de médicaments. Ouais. Et moi, je suis fasciné la manière dont vous êtes imprégné tout ce monde-là, parce que c'est pas évident, hein, c'est vraiment les biotech, on va dire aujourd'hui, sont issus à 90%, c'est de la génétique et de la biochimie et de la biologie moléculaire, donc c'est vraiment très pointu. C'est pas facile, les scientifiques, c'est pas qu'ils veulent pas vulgariser, mais c'est que ça devient tellement complexe que même eux ils sont dépassés par la vulgarisation qu'ils voudraient essayer de faire. Soit on tombe dans le caricatural, c'est-à-dire dans le côté comment dire, je ne vais pas citer parce que je l'aime beaucoup, mais E égale MC2, E égale M6, vous voyez, un peu pâte à modeler, etc. C'est très difficile de vulgariser parce que c'est une telle complexité dans le domaine des sciences du vivant. Et comment vous êtes imprégné tout ça pour pouvoir devenir à l'aise et pouvoir faire cette transition communicationnelle entre des choses qui sont très complexes, très techniques et des choses plus digestes pour le grand public et les autres audiences, évidemment, aussi. La première étape, c'est déjà, moi, je suis d'un naturel très curieux dans le sens où j'aime apprendre, vraiment, dans n'importe quel domaine. Et là, en l'occurrence, pour mon travail, c'était tellement passionnant que je n'ai pas eu beaucoup de mal, ce qui fait que j'ai lu j'ai beaucoup, beaucoup lu. Et puis, j'avais une opportunité énorme, c'est que j'avais accès à tout le réseau. Et donc, quand j'avais une question à poser, je la posais parce que, en général, j'ai un bon relationnel avec les gens et je n'ai pas peur de poser des questions, surtout si c'est pour mieux comprendre. Et donc, ça a été la première étape. Mais là où j'ai vraiment eu une prise de conscience, c'était dans ma deuxième expérience professionnelle, si je peux déjà un petit peu en parler, chez Celiad. Enfin, à l'époque, c'était Cardio 3 Biosciences, qui est devenu Celiad suite à l'acquisition d'un portfolio en immuno-oncologie. Et c'est là où j'ai réalisé toute cette complexité. Et j'étais déjà consciente de la complexité scientifique, mais de la complexité à communiquer autrement. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu une prise de conscience et je me suis dit, mais oui, parce que finalement, avant, j'étais dans un environnement B2B, où ce n'était pas si nécessaire que ça de faire de la vulgarisation. Par contre, quand je suis rentrée chez Celiad, oui, parce que la thématique, c'était cancer, parce qu'il y avait toute une série de parties prenantes avec laquelle je n'avais pas encore eu à échanger avant. Et c'est là où on s'est dit, mais en fait, on se rend compte, pendant 6 mois, on a travaillé sur des stratégies hyper pointues et tout. Et au niveau de l'équipe, en interne, on a vraiment eu la prise de conscience de dire, mais les gens ne comprennent pas ce qu'on est en train de leur dire, tout simplement. Et ce n'est pas une question de, ils sont bêtes ou voilà. C'est que c'était tellement nouveau, c'était tellement innovant, puis c'était tellement compliqué qu'on n'avait pas trouvé les mots pour refléter le potentiel. Même si on comprenait qu'il y en avait du potentiel, dans la granularité, dans la finesse de ce qu'on amenait, c'était très difficile à expliquer. Et c'est là, en fait, où j'ai eu le déclic de cette approche plus vulgarisée. Pas toute seule, hein, bien évidemment, j'aurais jamais cette prétention. Ça a été un effet de groupe. Donc, en fait, avec cette expérience-là dans l'oncologie, vous avez réussi, on va dire, à leur permettre, je dirais, de transmettre leur innovation, de communiquer leur innovation de manière vulgarisée, mais surtout, vous avez réussi à trouver une méthode, en fait, pour le faire. Une méthode qui n'était pas, on va dire, parce que si on va sur Internet ou sur Google, sur Amazon pour chercher des livres de comment vulgariser la science, je dois compter trois dans un en anglais, un le vôtre et une autre peut-être d'une collègue française, mais c'est tout. Je veux dire, il y a aucun effort qui est fait pour expliquer à des communicants ou même à des scientifiques. C'est-à-dire, la discipline n'existe presque pas, j'ai envie de dire. Non,
Non, c'est une discipline finalement qui est très hybride et donc naissante dans la façon dont elle combine les compétences et les savoirs. Soit on est communicant et donc on a tout un secteur à découvrir et une science, et c'est peut-être plus difficile dans ce sens-là parce qu'évidemment, un PhD en biologie moléculaire, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Soit on est scientifique et on tombe dans la communication. Ce n'est pas que c'est plus facile spécialement, mais bon, on est dans quelque chose de beaucoup plus pratique. Et par contre, je pense que la plus grosse difficulté du côté des scientifiques, c'est qu'il faut avoir une sensibilité à ça et une ouverture. Et pourquoi? Et là où j'ai réalisé quelque chose de fondamental dans cet écart, c'est que les scientifiques, et c'est normal, ne sont pas formés à être communicants, ils sont formés à être des scientifiques dans l'excellence de ce qu'ils proposent pour faire avancer la recherche, et donc ils n'ont pas le temps, c'est pas leur priorité de communiquer, en tout cas pas à large spectre, si je puis me permettre, Absolument. au sein de leur communauté, oui, très certainement, mais pas au-delà. Et donc on arrive à ce bottleneck, en fait, quelque part, où d'un côté, on n'a pas les connaissances suffisantes en sciences pour pouvoir convertir, en fait, le langage, ou alors on n'a pas les compétences suffisantes en communication pour penser autrement la façon de s'exprimer. Et c'est là où il y a une vraie carte à jouer. Et en soi, je ne suis pas sûre qu'il y ait une méthodologie ou une recette spécifique, mais c'est en fait la vulgarisation, si on ne se met pas à la place de l'autre, ça ne peut pas marcher. Si on n'est pas capable de le formuler autrement, c'est que soit on n'a pas compris. Soit on est juste incapable de sortir de sa zone de confort en termes de com ou de discours. Et là, ça va chercher individuellement chez les gens, en fait, et chez leur capacité à interagir et à réfléchir à la façon de s'exprimer et d'échanger avec l'autre. Parce que un blocage, je pense, qui est très rationnel, en fait, dans la com, c'est qu'on s'imagine que c'est une transmission d'informations. Mais la com, c'est pas ça. La com, c'est un processus mutuel, c'est un échange, il y a une conversation. Si ça n'a pas lieu, et qu'à l'issue de cette conversation, il n'y a pas quelque chose qui se produit en termes d'action, voilà, quelle qu'elle soit, alors on n'est pas dans un schéma communicationnel. Et si ça, ce n'est pas intégré, déjà, il n'y a pas de base, ça, ce n'est pas intégré. Voilà. Ah, c'est très intéressant ce que vous dites parce que, alors moi je vais me faire un peu l'avocat du diable, je vais mettre ma casquette, je dirais, de marketeur des biotech. Nous, évidemment, moi je comprenais la science, la mission parce que je suis biologiste de formation, mais ce que j'essayais souvent de faire avec les gens avec lesquels j'ai travaillé, c'était de dire ne vulgarisez pas parce que de toute manière vous allez tomber soit dans le caricatural, soit vous allez mal faire. Par contre, ce que je veux, moi, c'est. Promettez-moi des transformations. C'est-à-dire, quelles transformations, moi, je peux aller défendre avec votre technologie pour les concerner. Donc, c'est-à-dire, en gros, je passais, moi, de ce qu'on appelle en copywriting, hein, c'est-à-dire, on passe sur des promesses et on dit, bon, la technologie, vous ne la comprenez pas, mais ce n'est pas grave. Parce que de toute manière, vous ne comprenez pas la technologie qu'il y a derrière l'iPhone. Comment dire, la promesse que l'iPhone vous offre avec sa technologie, mais vous n'avez pas besoin de comprendre comment fonctionnent les circuits électroniques qui sont à l'intérieur. Alors ça a des limites, évidemment, puisque dans le domaine de la santé, on a besoin qu'il y ait une adhésion des patients. Et on sait qu'aujourd'hui, l'adhésion passe aussi à 99% par le fait qu'eux-mêmes comprennent quelle est leur maladie et comment fonctionne l'innovation pharmacologique, thérapeutique qu'on leur offre. Donc ça, c'est évidemment c'est quelque chose de très important. Et j'ai envie de vous poser aussi une autre question par rapport à votre vécu avec les scientifiques, la perception que moi j'ai eue, c'est justement les scientifiques, comme ils passent leur temps à faire de la communication scientifique devant d'autres scientifiques, à faire des diapos, ils pensent savoir communiquer. C'est-à-dire, moi j'en ai déjà qui m'ont dit, mais j'ai pas besoin de conseils. Je sais communiquer, je passe mon temps dans les conférences à communiquer, à faire des posters. Sauf qu'ils ont vraiment du mal à comprendre que ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, cette communication rationnelle basée sur la méthode scientifique pour convaincre des pairs qui ont le même niveau de connaissance et d'expertise qu'eux, ça n'a rien à voir que de communiquer pour le grand public, des investisseurs, le monde médical, qui est encore un autre monde que le monde scientifique. Et est-ce que vous avez ce même perçu que moi ou vous arrivez quand même à les convaincre que non, c'est d'autres expertises en communication? Alors, je pense qu'on a maintenant, c'était peut-être super vrai, il ne serait-ce qu'il y a encore 10 ans en arrière. Je note vraiment une évolution où il y a une prise de conscience qu'on peut faire autrement parce qu'il y a aussi un contexte sociétal qui impose que ça se passe autrement, de la part des patients, de la part du public en général. Et donc, il y a une réflexion qui est en train de se mettre en place sur le retour finalement à ce principe de base que la recherche est au service de la connaissance universelle. Admettons. Maintenant, pour rebondir sur ce que vous dites, oui, les scientifiques sont formés à un mode de communication, la communication scientifique, qui n'est pas
communiquer sur la science ou vulgariser la science, c'est différent. Et la communication scientifique, on est dans le technique, on est dans le jargon, on est dans l'entre-soi. Et oui, selon les codes de ce mode de communication, ils savent communiquer auprès d'un seul public. Là-dessus, il n'y a pas de remise en question. Une fois qu'on les sort de cet environnement, effectivement, ça devient beaucoup plus compliqué parce que la subtilité, la notion de communication disparaît. Et c'est là où émergent les inaptitudes d'adaptation, de variation des mots à utiliser, du discours, de l'illustration, des combinaisons sur les idées, etc. Et de toute façon, j'ai envie de dire, quand bien même c'est une vérité, on ne peut pas le leur reprocher, ce n'est pas leur métier. Bien sûr. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'à partir du moment où il y a une ouverture d'esprit, tout est possible quand la personne est prête à se remettre en question, à sortir de sa zone de confort et à essayer quelque chose de nouveau. Et j'observe quand même qu'il y a beaucoup de scientifiques qui s'éclatent en fait à faire ça. Parce qu'alors, ils ouvrent tellement d'autres portes et c'est tellement valorisant et pour eux et pour leur travail, qui prennent toute la mesure de l'intérêt de sortir de l'entre-soi scientifique. Et c'est ça, c'est là où on touche en fait à quelque chose de très précieux, je trouve. Absolument, absolument. Bon, moi, j'ai un convaincu, j'essayais de faire un peu l'avocat du diable, hein, mais bon. Et donc, petit à petit, l'idée pour vous a émergé de créer votre propre agence, aussi bien dans le conseil que dans la formation. Comment c'est venu ça? Parce que ça m'intéresse toujours, la flamme entrepreneuriale, c'est quelque chose qui me fascine. Parce qu'encore une fois, avec l'expertise que vous avez, vous auriez pu très bien finir dans une big pharma, dans une position confortable. Alors que là, c'est quand même, vous vous mettez un peu en danger. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre agence et à... Mais en fait, donc après, je pense qu'il est important de retracer le parcours jusqu'au bout pour comprendre d'où c'est venu. Parce que chez Célia, je suis restée 2 ans, je pense, de mémoire, 2 ans, 2 ans et demi. Et puis après, je suis allée travailler dans une association qui accompagne la gestion de carrière et le développement professionnel des chercheurs. Et là, j'ai compris d'où venait le problème des freins à la vulgarisation. J'ai compris comment était conçue la formation doctorale, j'ai compris quel était le parcours du chercheur, j'ai compris quels étaient les blocages entre l'académique et l'industriel, entre l'académique et tout le reste, et en fait, on fonctionnait complètement dans un système en silo. Absolument. Voilà, et donc ce truc, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais oui, c'est ça, en fait, un des nœuds du problème, c'est là. Et je me suis dit, mais quand même, sur les 8 dernières années, où j'ai accumulé tellement de choses que je me dis, je pourrais les partager. Et en fait, avant même l'idée de créer une agence, je me suis dit, j'aimerais transmettre d'une façon ou d'une autre tout ce que j'ai pu apprendre, parce que moi, si on me l'avait dit, ça m'aurait aidé à l'époque. Et donc, l'idée du bouquin m'est venue. Et il faut savoir que, au même titre que je suis très rigoureuse dans mes recherches, tout est dans ma tête, tout le temps. Et donc, au bout d'un moment, bah, j'ai contacté quelqu'un, donc Fred Colantonio, que j'avais rencontré il y a des années de ça à un événement en com, qui lui avait déjà publié, je pense, 7 livres à l'époque, et je voulais juste lui parler pour savoir un peu comment ça se passait, parce que j'avais ce projet-là et je savais que l'ouvrage en question, il n'y en avait pas des masses d'ouvrages comme celui-là. Je voyais une opportunité pour pas mal de monde. Et lui, concours de circonstances complets, à l'époque, montait sa maison d'édition, L'Attitude des Héros, et me dit, mais ton projet rentre parfaitement dans l'une de mes collections, est-ce que ça te dirait qu'on bosse ensemble? Et ça s'est fait comme ça de fil en aiguille, et je me suis retrouvée à signer un contrat dans une maison d'édition, à écrire mon livre, et en fait, j'ai tout vidé et en 8 semaines, c'était sorti, quoi. Enfin, c'était sorti. Le tapisserie était sorti. Après, il y a tout le processus de relecture, de correction, etc. Mais tout est parti en 8 semaines. J'ai évacué, quoi. Génial. C'est-à-dire que le livre est venu presque avant ou en même temps que la création de l'agence, en fait. Avant. C'est génial. Ça a amorcé, en fait. Et alors, suite à ça, j'ai réfléchi à mon projet professionnel et au tout début, pour être honnête, je n'avais pas plus d'ambition que de mettre mes compétences immédiates au service des entreprises par le biais classique de la consultance et de l'accompagnement à la formation. Et puis, sur les 2 années qui ont suivi avec le Covid, troisième prise de conscience, et là, c'est la plus grande de toutes, je me suis dit, mais en fait, la communication qui est caractérisée comme une fonction de support depuis toujours, elle est stratégique. Et dans le secteur de la santé, elle devient encore plus stratégique. Et le besoin de vulgarisation, il est là aujourd'hui. C'est plus une lubie, une fantaisie, une idée à part entière. Non, c'est un besoin sociétal profondément ancré, avec un tournant dans la perception publique de ce que c'est que l'industrie pharmaceutique, de ce que c'est que le monde scientifique, de ce que c'est que l'industrie de la santé en général. Même si on sait que l'industrie pharmaceutique a toujours eu très mauvaise réputation.
Mais les gens ne savent pas forcément pourquoi. Et là, dans ma tête, ça s'est bousculé. Je me suis dit, OK, donc il y a des chercheurs qui sont complètement invisibles le reste du temps, qui ne sont pas valorisés, en tout cas pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent apporter. Et moi, pour avoir bossé avec eux, je vois à quel point ils peuvent se donner. Et ça, ce n'est pas médiatisé. Et je sais qu'ils se sont donné beaucoup de mal pendant la crise du Covid, et comme pour tout autre projet. Puis je me suis dit, OK, aussi, ils ne savent pas communiquer, ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas se mettre en valeur. Il y a plein de gens, ils auraient les compétences, mais ils ne sont pas attirés par le secteur, ou alors ils sont communicants, ils n'ont pas le bagage scientifique, ou alors ils sont scientifiques, ils n'ont pas le bagage communicant. Et je voyais toutes des petites fissures comme ça dans ces fameux silos qui commençaient à se mettre en place. Et là, je me suis dit, mais Infuse, ça peut être tellement plus qu'un bête projet de consultance. Et c'est là où le projet, le vrai, s'est mis en place. Et je dois dire aussi que ça a été nourri par une réflexion. J'ai travaillé pour un client pendant les 2 ans là, de Covid, qui n'était pas du tout dans le secteur biotech, medtech, mais qui était dans la transformation des organisations et sur les approches de gouvernance collaborative. Et grâce à ça, j'ai eu des déclics sur le fait que les constructions qu'on avait mises en place, en tout cas sur la communication, étaient erronées, puisque ce n'étaient pas les personnes de terrain qui s'en occupaient. C'était des instances centralisées qui décidaient. Forcément, ça ne pouvait être qu'inapproprié. Et donc, je me suis dit, bah, l'idée, ce serait de faire percoler ça dans tout ce système et de rendre à César ce qui est à César et à chacun de retrouver sa place dans ce schéma de communication globale. Et donc, de ça, se sont dessinés 4 piliers. Un pilier chercheur, où là, l'ambition, c'est vraiment de les aider à se prendre en main, à se donner la visibilité qu'ils méritent par eux-mêmes et de ne pas dépendre d'une institution pour le faire. Ça, je pense que c'est primordial pour valoriser leur travail, se valoriser en tant que personne, positionner des avis, ce n'est pas interdit dans la société dans laquelle on vit. Et au niveau aussi des communicants, bah, créer des ponts entre ceux qui n'ont pas le bagage en sciences ou pas le bagage en communication et trouver une espèce de tronc commun de compétences qui serait reconnu comme comment dire, un socle solide pour démarrer dans l'industrie pharma. Quand on a ça, on se dit, OK, on peut démarrer. Et puis, du côté entrepreneur, bon, il y a toujours évidemment ce côté accompagnement stratégique avec fort focus digital. Mais en fait, le parti pris derrière tout ça, c'est que pour moi, il faut replacer l'humain au centre de tout. Que quand on est une entreprise et qu'à partir du moment où les investisseurs commencent à mettre des billes, on s'éloigne vite, où on se cantonne à un discours hyper technologique d'innovation et de finance, mais il y a tellement plus de choses à raconter. Vraiment, et sans dire de tomber dans le storytelling à 2 balles, vraiment des choses authentiques à raconter. Je le vois avec les entrepreneurs que je rencontre, il y a une ambition, il y a une vision, il y a du projet. Ce qu'ils font, ils le font pour une raison bien précise. Et ça passe à la trappe. Il y a une Alors, pas pudeur tout. aussi, hein. Il y a une pudeur aussi, je veux dire, quand on est un PhD qui crée une start-up sur une nouvelle molécule anticancéreuse, venir le titiller pour qu'il exprime ses valeurs, il dit bah, je suis en train de faire une start-up pour guérir le cancer, laisse-moi tranquille. Il y a pas, je veux dire, ce que je fais est tellement important que je n'ai pas envie, moi, de venir dire que c'est mon combat, quoi. Il y a une espèce de pudeur par rapport à ce qu'ils font qui est aussi à prendre en compte, mais justement, il faut les challenger pour se dire non, c'est votre flambeau, il faut la défendre. Alors là-dessus, j'apporterai un tout petit peu plus de nuances. Pour certaines personnes, c'est carrément de la pudeur, effectivement, et une grande humilité. Pour d'autres, c'est plus une dynamique de marché. Parce que quand on raconte trop, on s'expose trop et on donne un peu le bâton pour se faire battre, on peut créer des attentes qu'on n'a pas envie de créer, on peut faire des effets d'annonce qu'il vaut mieux éviter, ou on peut carrément donner de l'espoir quand c'est proscrit, quoi. Donc il y a toute cette dimension-là, et justement, et je suis bien consciente, et je le vois hein, dans le day-to-day, ils ont beaucoup de mal à matérialiser ça. Se dire, mais qu'est-ce que je peux raconter d'autre sans, moi, j'ai pas envie de m'exposer moi en tant que personne, mais c'est pas l'idée. Quand on lance son entreprise, on a un parcours entrepreneurial. Quand on a fait de la science, on a une vision de la science. On peut donner son avis sur des publications. Il y a plein de choses à faire, mais bon, qui je peux bien comprendre, quand on monte une boîte, c'est pas la priorité de commencer à faire tout ça, mais c'est pas nécessaire de faire 10 publications par jour, mais c'est de construire le truc au fur et à mesure. De toute façon, ça se fait sur le long terme. Et d'ouvrir des perspectives sur la façon de faire, sur le behind the scene, quelque part, de tout ce monde-là, parce que la confiance ne pourra être restaurée que si on montre patte blanche. Et ça, j'en suis vraiment convaincue. Il y a eu tellement d'histoires, tellement de scandales, et c'est forcément ça qu'on met plus en avant. Ou alors, on va peut-être trouver un remède contre, et puis après, on n'en entend plus parler. Donc, il y a un discours vachement extrémiste, en fait, dans les 2 sens, sur ce que peut apporter l'industrie de la santé. Mais c'est tellement plus complexe que ça. C'est tellement plus fin, c'est tellement brillant et ça mérite d'être valorisé. Et ça fait partie du 4e pilier, puisque tout est lié et que ça a causé des conséquences.
c'est finalement la sensibilisation du grand public à tout ça. Mais dans quel but? Parce que c'est pas tout de leur dire, mais c'est pas comme ça que ça se passe, il faut être un petit peu plus tolérant et essayer de restaurer la confiance. On est tous des patients, le Covid nous a tous mis sur le même niveau, même si on n'a pas eu tous les mêmes traitements, on était tous des patients potentiellement atteints du Covid. Donc, on avait des préoccupations similaires et finalement, qu'est-ce qu'on voulait savoir? Donc, c'est à quoi s'en tenir et quelles décisions prendre et quel parcours suivre. Et se responsabiliser aussi quelque part à ça, de dire, moi, si je décide de prendre cette voie-là, je dois savoir pourquoi je le fais et pas parce qu'on me l'impose pour une raison XY. Et sincèrement, je pense que si on arrive à ça d'une manière ou d'une autre, et notamment en réintroduisant la culture scientifique comme un élément du lifestyle, en fait, au quotidien, où les gens, comme vous dites, peu importe la techno qu'il y a dans l'iPhone, à quoi va me servir l'iPhone? Qu'est-ce que ça va m'apporter dans la vie? Comment je peux m'en servir correctement? La santé, pareil. En s'inscrivant aussi dans un peu cette pensée de soyons dans le préventif plutôt que dans le curatif quand c'est possible, hein, pour empêcher des mauvaises choses de se produire et intercepter des maladies quand il est encore temps de le faire et empêcher des patients de tomber dans des dégradations. Mais il y a, alors, je vais être très honnête, hein, je vous décris tout ça, c'est ambitieux, ça paraît peut-être utopiste, etc. De un, pour moi, c'est pas utopiste, c'est complètement concret, oui, pragmatique, parce que plein de gens m'appellent et il y a une vision commune qui se met en place et il y a plein de petites initiatives qui bourgeonnent, ce qui prouve bien que c'est en train de démarrer. Ambitieux, très certainement, et à mon niveau, à mon humble niveau, moi, je suis juste une pierre dans le processus, dans la construction de l'édifice, j'ai pas du tout la prétention de dire que tout va être révolutionné grâce à Infuse, mais en tout cas, d'agir dans le sens d'un décloisonnement, d'agir dans le sens d'une sensibilisation et de créer du lien, parce que si on communique, c'est pour créer du lien. S'il n'y a pas ça, dans un sujet aussi sensible que la santé et que la vie, finalement, quand on va dans les conditions les plus difficiles, s'il n'y a pas ça, ça ne sert à rien. Et donc, à mon niveau, mon petit niveau tout petit, c'est ce que j'aimerais faire avec Infuse. C'est formidable parce que c'est précieux, parce que rare. Et précieux, et aussi c'est ce que vous faites, c'est précieux parce que c'est rare, mais aussi parce que ça a de la valeur, et ça, donc c'est vraiment important. Donc en fait, on a un peu zappé la transition sur la création d'Infuse, mais en fait, vous l'avez parfaitement expliqué, le pourquoi, le comment, ce qui vous a motivé, donc c'est parfait. Est-ce que vous voudriez éventuellement, par exemple, partager l'écran pour nous montrer un peu le site internet? Comment est-ce qu'un chercheur ou quelqu'un qui voudrait faire de la communication pourrait s'orienter sur votre site et quelles sont vos offres? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez On peut le faire. Je vais ouvrir une... Après, c'est un petit site internet qui ne cesse d'évoluer. Très bien fait. Il n'y a pas à avoir de honte ou de fausse humilité. Moi, j'ai Non, ce n'est pas une fausse humilité, c'est juste que dans ma tête, je suis déjà deux étapes plus loin et donc évidemment, le gap pour moi, il est là, mais attendez, je vais, voilà. Donc, j'imagine que les gens qui vont nous écouter vont venir vous visiter, mais on va leur faire une petite visite guidée. Donc c'est, La maison Infuse, bienvenue. Un site très simple qui présente dans les grandes lignes l'ambition. Mm-hmm. D'ailleurs, ce que je viens de vous décrire là sera en ligne l'année prochaine où je vais être plus explicite sur chaque pilier, ce que j'aimerais développer pour chaque pilier. Mais donc, vous l'avez dit au début, démystifier la science, valoriser les chercheurs, promouvoir les entreprises, pour créer les liens dans la société et les patients ont besoin. Ah oui, c'est ce qu'on disait. Hein. Les patients, ils ont besoin parce qu'il y a un énorme enjeu, c'est la compliance, c'est-à-dire le fait que les patients, on leur prescrit, surtout dans les maladies lourdes, hein, les cancers, etc., on a un pourcentage de gens qui abandonnent les traitements pour X raisons et parfois pour tomber entre les griffes de gens pas recommandables. Et donc, s'ils comprennent à différents niveaux aussi bien leur maladie que le traitement qu'on leur propose, et bien la compliance, forcément, elle sera meilleure. C'est mécanique. Il est prouvé que la façon dont on communique avec eux et la façon dont on améliore leur littératie en santé, donc leur éducation, leur compréhension sur leur propre état de santé, les tenants, les aboutissants, les solutions potentielles, etc., et la progression influence nettement leur capacité à suivre un traitement et à s'y astreindre pour leur bien. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, je pense qu'à partir du moment où on sait à quoi s'en tenir et qu'on a le sentiment qu'on est maître de sa décision, ça change tout. Ça ne veut pas dire qu'on sera plus assidu, forcément, si on n'est pas quelqu'un qui est fan des traitements et que c'est lourd à vivre et que ça a beaucoup de contraintes au quotidien, ce qu'on peut comprendre. Mais en tout cas, ça crée une base beaucoup plus saine que si on inonde les gens avec des informations qu'ils ne peuvent pas comprendre et dont ils n'ont pas
le courage ou l'audace ou de demander clarification parce qu'ils ont peur d'avoir l'air bête et de rien comprendre. Et donc, tout ça, c'est des freins inutiles quand on y pense au bien-être des personnes dans leur parcours, parce qu'il ne faut pas oublier que, quelle que soit la mauvaise nouvelle qui tombe, ça met les gens dans un état émotionnel lourd. Et donc, ça ne les rend plus du tout réceptifs. Il y a toujours des moments pour tout. Et quand le diagnostic tombe, ce n'est pas le moment de venir expliquer les choses. Bien sûr. Donc, voilà, les gens ne sont pas réceptifs et puis ils sont dépassés par la situation et les émotions brouillent le raisonnement. Et donc, c'est aussi un facteur à prendre en compte dans leur capacité, en fait, à absorber l'information, à l'assimiler et à la mettre en pratique. Donc, bon, je m'éloigne, mais bon, soit. Non, mais c'est, on est, le message est important, il faut le dire et il faut le partager. Parce qu'effectivement, on est. Enfin bon, les études sont là. On sait qu'il y a une désadhésion parfois sur des traitements et c'est avec des conséquences dramatiques. Donc là, vous avez en gros, hein, si on va dans la partie service, vous avez deux champs de service, un du conseil stratégique et un qui est la formation. Alors, la formation, d'ailleurs, il faut que je la mette sur mon site parce qu'en ce moment, on est en train de donner une formation test à un groupe de 4 personnes, des super profils, et c'est une formation à la vulgarisation scientifique et médicale en santé. Donc, elle sera bientôt sur mon site puisqu'on va ouvrir les inscriptions pour les prochains cycles avant la fin de l'année. Donc, revenez. Mais là, effectivement, donc j'ai mis en premier le conseil parce que c'est le premier service de fait qui était le plus facile pour moi à développer, où en gros, j'accompagne les entreprises dans leur réflexion stratégique. Et j'insiste sur stratégique, je n'interviens pas dans spécialement l'opérationnel, et je connais plein de gens très très bien qui peuvent le faire en prenant le relais de ce que j'ai mis en place avec la société. Mais c'est vraiment de réfléchir, que ce soit en termes de positionnement, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de stratégie de contenu, de regard sur le marché. Je me suis rendu compte, parce que c'est vrai qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce que j'apporte en fait aux gens? Où est-ce que je vais faire la différence avec les milliers de consultants en communication qu'il peut y avoir sur le marché, quand bien même je serai dans une niche très précise? Et j'ai posé la question à mes clients et à mon entourage, et je me suis rendu compte que là où j'avais mis force quand même, c'était d'avoir ce regard très méticuleux sur le marché, de mettre le doigt sur là où il y avait une marge d'action potentielle en termes de positionnement. Et c'est ce qui revient souvent, et de structurer très rapidement un flot d'informations assez complexe et de le synthétiser, de le structurer. Et donc, c'est là où je me suis dit, c'est là où j'ai le mieux à faire quelque part, parce que j'adore écrire, j'adore faire plein de choses, mais je l'ai fait beaucoup pendant des années et j'en ai un peu fait le tour. Et la stratégie, c'est vraiment ce qui me passionne et c'est ce que je présente ici, où j'explique que la première étape, c'est cette analyse, c'est ce regard sur le marché, c'est du benchmark, c'est d'aller voir ce que les autres font, ne font pas et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et puis, sur base de ça, lister un peu des priorités sur lesquelles on puisse agir et puis bâtir une stratégie robuste et la décliner dans un plan d'action concret qui est un peu finalement un mode d'emploi de la communication qui va être mise en place par la suite et qui ne peut intervenir qu'une fois que la stratégie est faite, parce que ça, c'est la plus grande chose que je répète tout le temps. Les outils, c'est après la stratégie. Et c'est vrai Absolument. qu'on a le réflexe de dire, je vais me faire un website d'office parce que c'est un incontournable, mais c'est pas ça qui va driver tout le reste. Et on se rend vite compte des limites quand on n'a pas la stratégie, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va dire là, mais on ne sait pas comment dire, etc. Et donc, c'est tout ce travail-là qu'il faut faire en amont pour clarifier en fait qui on est, ce qu'on fait et là où on veut aller. Donc ça, c'est là vraiment la partie stratégie avec un fort, même un complet tournant digital, puisque c'est vers là où on va. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà des méthodes traditionnelles offline, que sont les événements, les relations presse, etc., ça va vraiment être réfléchir à des stratégies de contenu pour créer de la visibilité en ligne, avoir une présence, être actif, fédérer une communauté et essayer d'atteindre des objectifs divers qui sont plus relatifs aux outils numériques, évidemment. Donc ça, c'est la partie consultance. Il y a quelques mois de ça, j'ai lancé un programme de mentoring et j'insiste là-dessus parce que je me revendique absolument, je ne suis pas et je ne me revendique pas coach, mais c'est plutôt un accompagnement individuel pour aider les profils scientifiques, donc ingénieurs scientifiques ou même dans les professionnels de soins de santé, à trouver la façon dont ils vont parler d'eux-mêmes. Et donc là, on est dans cette dimension de personal branding, parce qu'il faut mettre un nom dessus, et c'est ça, mais combiné à de la vulgarisation scientifique. Donc comment parler de ce que je fais et de qui je suis pour atteindre mes objectifs tout en touchant toutes les personnes que je veux toucher. Et ça combine ces deux disciplines-là. Et ici, on est
dans une approche totalement individuelle où, au fur et à mesure des expériences, je me suis rendu compte que moi, j'aidais la personne à tirer sur une ficelle pour dénouer une grosse pelote de laine, en fait. Parce que les gens ont tout en eux, mais manquent cruellement de confiance pour des raisons vraiment diverses. Et alors qu'ils peuvent avoir des backgrounds très solides à partir du moment où ils passent dans une communication publique, ils se sentent complètement illégitimes. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est surtout au niveau des scientifiques et c'est une réalité. Et donc, ça les aide à vraiment savoir pourquoi ils veulent faire ça. Parce que s'ils viennent vers moi, c'est qu'ils ont un projet bien précis et ça se construit. Donc, c'est de faire la lumière là-dessus, d'avoir quelque chose de très structuré pour trouver ce qu'on va vraiment mettre en avant, pour prendre confiance en eux. Et puis, pour finalement aller là où ils se sentent le plus à l'aise dans un premier temps. Parce que moi, ce que je voudrais absolument éviter, c'est qu'ils repartent de là sans une idée précise de ce qu'ils pourraient faire. Et surtout, leur dire, mais va sur Facebook, va sur LinkedIn, fais ci, fais ça. Déjà, ça va complètement les submerger. Et puis, l'idée, c'est pas qu'ils soient partout, mais c'est qu'ils soient là où ils doivent être et qu'ils maîtrisent ce qu'ils sont en train de faire. Même si c'est une communication plutôt lente, il vaut mieux qu'elle soit maîtrisée. Et moi, je plante des graines, en fait. Donc, c'est plus un état d'esprit qui va les suivre et sur lequel ils pourront construire. Et qui se fait dans le temps, parce que j'estime aussi qu'on peut pas dire à quelqu'un tu vas tout apprendre et tout comprendre en un jour, et donc ça s'étale comme ça de semaine en semaine sur 5 semaines. On a des séances, on se parle entre deux, je relis des travaux, je donne des exercices à faire. C'est des petites choses, c'est pas contraignante, mais c'est pour alimenter une dynamique en fait dans la réflexion et dans le dénouement de cette fameuse pelote de laine. Et les feedbacks que j'en ai jusque maintenant sont très positifs. Ça, c'est, je dirais, c'est quelque chose moi que je trouve vraiment remarquable, parce que effectivement, c'est aussi parce que je suis plus dans le marketing, moi, que le personal branding pour moi c'est quelque chose de très 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 important pour les scientifiques et évidemment qui est, comme vous disiez, c'est quelque chose qui est malheureusement pas connu. Parce que déjà, les termes branding, soit ils ne sont pas connus, soit ils sont mal compris. C'est-à-dire, on pense toujours que c'est quoi? C'est le logo, la marque d'un produit. Non, le branding, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus profond que ça, déjà. Et ça permet surtout à se connecter émotionnellement avec l'humanité, j'ai envie de dire. Parce que les scientifiques, moi, c'est un peu, je dirais, mes punchlines, je dis souvent, vous avez été formé ou déformé par 10 années d'études rationnelles, à avoir une pensée rationnelle, rationaliste, la méthode scientifique que vous appliquez tous les jours au quotidien, vous a déformé pour discuter et vous connecter émotionnellement aux 99% de l'humanité qui sont finalement des primates. Je dis ça avec beaucoup d'amour parce que je suis un biologiste de formation. Quand je dis des primates, pour moi, c'est j'adore les singes, quoi, les grands singes que nous sommes. Et les grands singes que nous sommes discutent avec les émotions, avec se connectent émotionnellement. Et donc, pendant toutes ces années d'études initiales et de pratiques scientifiques, ils se coupent un peu de cette part d'humanité-là. Et le branding, en fait, leur permet de se connecter à l'humanité de manière émotionnelle. Et voilà, donc ce que vous faites là est remarquable et formidable, j'ai envie de dire, parce que c'est ce pourcentage-là, c'est 1% de scientifiques qui composent l'humanité, ils sont fondamentaux pour notre espèce, hein, finalement, pour résoudre les problèmes, les challenges énormes que nous avons devant nous. Oui, et j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire et ajouter un point sur l'émotionnel, mais sur la partie branding, si je peux proposer une définition qui pourrait un petit peu enlever les croyances et les complexités. Pour moi, le branding, dans le sens du personal branding, c'est un vecteur d'univers, c'est un vecteur d'identité. Et c'est ce que vous allez construire. Donc, c'est comme ça qu'il faut le prendre dans ce sens-là. C'est vraiment, vous allez ouvrir votre univers à toute une série de personnes et vous allez vous positionner en tant que personne, vous allez vous créer cette identité, en tout cas la renforcer dans cet univers que vous allez ouvrir. Ça, pour moi, c'est le personal branding, donc dans le partage et l'ouverture. Sur l'aspect émotionnel, on parle beaucoup des scientifiques, mais moi, j'ai une grosse prise de conscience aussi quand j'étais chez Céliade et on avait organisé une réunion pour les actionnaires, parce que bon, en tant que société cotée, on a des obligations et c'est normal d'informer les gens qui placent leur argent dans votre société, de leur dire comment ça se passe. Et je me suis rendu compte ce jour-là, c'était beaucoup de petits actionnaires, et j'utilise le terme petit pas du tout de façon péjorative, c'est juste une catégorie, c'est retail en anglais, en comparaison aux grands fonds d'investissement, où là on n'est plus du tout dans les mêmes montants, c'est juste pour donner une explication. J'ai réalisé que les gens qui investissent dans les sociétés actives dans le domaine de la santé ont plus que le retour sur investissement en perspective. Je parle des individuels. On découvre souvent au fil des conversations qu'un membre de la famille est malade et souffre d'une maladie que la société en question essaye de,
pour laquelle elle essaie de trouver un traitement ou en tout cas une alternative dans la qualité du suivi. Et c'est là où on se dit, OK, c'est vrai qu'un investisseur reste un investisseur et que la target, c'est de faire une plus-value dans le meilleur des cas. Maintenant, cet aspect émotionnel peut orienter la décision d'investissement parce qu'on le fait pour sauver quelqu'un. On le fait dans l'espoir que ça sauvera quelqu'un ou que ça améliorera sa condition de vie. Et ça, c'est vraiment pas à prendre à la légère. Parce que ça veut dire que dans le discours qu'on adresse aux personnes que l'on veut convaincre de placer des billes dans son projet, on dépasse le discours purement financier. Alors, peut-être que certains diront « Ouais, mais ça, c'est le monde des bisounours. » Non, ça s'appelle l'humanité, en fait. Et d'en mettre une touche à gauche, à droite, ça ne déforce pas le propos technique, ça ne déforce pas l'exactitude scientifique, ça ne déforce pas le business model. Ça montre juste qu'on sait pourquoi on fait les choses et pour qui on les fait. Et en tout cas, ça, c'est mon parti pris à moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est un... Non, mais je vous rejoins. J'ai même une anecdote, parce que ce que vous dites par rapport aux investisseurs, on a, évidemment, dans le domaine de la santé, on pense immédiatement aux business angels qui sont des individus donc qui investissent sur des startups santé. On se dit ils ont vraisemblablement une histoire familiale ou une histoire personnelle qui les font qu'émotionnellement, ils vont venir investir sur une biotech ou une pharma de santé. Mais moi, je connais même un gérant de hedge fund massif qui investit massivement sur les biotech de cancéro aux États-Unis, mais parce que il a souffert dans sa chair, parce qu'il y a une histoire familiale. Et donc, même des gens qui sont à très haut niveau dans la finance, qui investissent des montants colossaux, sont aussi émotionnellement connectés, je dirais, à l'entreprise, ou du moins dans la cause dans laquelle ils investissent. Bien sûr, et ça, je vais vous donner une autre des catchphrases que j'utilise souvent, mais pas pour en faire une catchphrase, parce que pour moi, c'est juste une évidence, c'est qu'on est tous des patients. Bien sûr. On peut être milliardaire, on peut avoir la jeunesse avec soi, ça ne change rien, tout le monde peut tomber malade, que ce soit grave ou pas, mais on est tous des patients, comme on est tous des citoyens. Et donc, quelque part, cette étape de fait-là rebat un peu les cartes. Et ça prouve bien qu'on peut ajouter d'autres dimensions dans la communication que les simples chiffres, en fait. Formidable. Bon, et donc, on est évidemment sur la même longueur d'onde, hein, évidemment. Donc, bientôt, on aura à la fin de l'année, on espère, la formation complète pour. Super. Ouais. Je peux vous proposer. Alors, moi, je vais arrêter le partage d'écran. Comme ça, je vais partager ceci. Donc, c'est la couverture de votre excellent livre. Hein, donc, je l'ai là. Donc, j'espère un jour vous rencontrer pour avoir ma dédicace. D'accord. Donc, moi, je le recommande hein, parce que c'est déjà parce qu'il n'y en a pas d'autres. Il y en a une autre en langue française et un autre en anglais. Mais bon, celui-là, il est quand même excellent parce qu'il couvre tous les aspects, je dirais, de la communication scientifique. Alors, certes, vous avez une expertise très forte dans le domaine de la santé, mais je pense que ça peut être aussi bénéfique à toute la deep tech, hein, tous les entrepreneurs qui viennent de la recherche. Alors, je ne vais pas spoiler, mais moi, j'ai beaucoup aimé je dirais ce que vous avez raconté dans le livre sur les influenceurs et les stratégies un peu filou de certaines big pharma à utiliser les influenceurs. J'ai vraiment beaucoup, je ne spoile pas, hein, j'en parle pas. Mais à découvrir dans le livre, c'est évidemment en ce moment, il y a en France, je ne sais pas si vous suivez, mais il y a un petit scandale autour des influenceuses Instagram qui sont dans une maison, je dirais, d'agents qui utilisent du dropshipping, etc. Donc, il y a un rappeur très connu qui a pris un parti pris contre cette agence. Enfin, il y a un petit scandale. Et en fait, on s'aperçoit que même les big pharma, certaines en tout cas, peuvent user de ce genre de choses, parfois de manière très propre, parfois un peu moins. Donc, je peux découvrir ça dans le livre, c'est très, très intéressant. Oui, bon, il faut le dire quand même, en toute honnêteté, donc Science Infuse a été publié en 2019. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, malheureusement, pas forcément toujours bien. Des histoires comme ça, il y en a eu tellement et j'en découvre, je ne vais pas dire que j'en découvre quotidiennement, mais je pense que si je grattais un peu le vernis, ce serait le cas. Et qui ne sont pas toujours du fait d'une entreprise, mais ça, c'est un autre sujet. Je pense que je creuserai le sujet dans pas un autre livre forcément, mais en tout cas dans une autre réflexion. Oui, vous disiez, c'est applicable à autre chose que la santé. Alors, oui, parce que c'est une logique, en fait. C'est ce que je vous dis, je plante une graine et le partage d'expérience. Ici, si on reprend la discipline de communication, l'avantage de la com, c'est que c'est une discipline relativement transversale qui, quand on sait la manier, s'applique à tout. Et donc, ici, ce que je mets en avant dans ce bouquin-là peut tout à fait servir à différents acteurs, même si c'est vrai que le premier
chapitre qui est complètement dédié en fait à la chaîne de valeur sur la fabrication d'un médicament ou d'une solution thérapeutique ou d'un device, et plus spécifique à l'industrie de la santé. Et maintenant, je dis toujours, c'est un tiers du bouquin et tout le reste est beaucoup plus large. Par contre, je dois être honnête aussi sur le fait que probablement la partie réglementaire, même si le message sur la volonté d'accélérer les choses est ce qui est encore plus vrai depuis le Covid, il y a sûrement des petits éléments qui mériteraient une mise à jour, mais en tout cas, ça permet de mettre le pied dedans. Absolument, c'est un très très bon livre. Donc pour ceux qui nous écouteront et éventuellement, évidemment, je mettrai tout sur l'article de blog, mais je vais redire le titre, Science Infuse. Alors édition L'Attitude des Héros, hein, c'est ça. Oui. Donc c'est une collection Vision d'entreprise. Bon, évidemment, vous aurez tout sur l'article de blog et sur le descriptif du podcast et sur la vidéo YouTube. Okay. On va arrêter le partage. Bon, on a aussi parlé évidemment du personal branding avec le risque d'une petite, je dirais, il y a un risque évidemment, mais c'est comme tous les outils, je dirais, de la communication et du marketing, ce n'est pas l'outil qui est problématique, c'est ce qu'on en fait. Évidemment, si on va trop loin dans le personal branding, on peut évidemment tomber dans le personal branding, mais aussi dans le marketing ou dans les allégations que l'on dit. On peut aller trop loin. On a tous, évidemment, Theranos en tête. Il y en a d'autres. Hein, mais et encore une fois, c'est pas la discipline ou l'outil qui est en cause. C'est ce qu'on en fait. Donc ça, vous l'avez parfaitement, parfaitement, je dirais, écrit. Est-ce que… Donc, on arrive bien sûr à la fin de notre entretien, mon grand regret. Moi, je vous garderai des heures hein, pour discuter avec vous, un sujet qui est passionnant. Comment est-ce que vous voyez? On peut en discuter offline, il n'y a pas de souci. comment vous voyez l'évolution pour vous par rapport, j'ai envie de dire, à votre cible, puisque les scientifiques ou les scientifiques entrepreneurs, est-ce que pour vous, il y a vraiment une prise de conscience où vous avez systématiquement cette nouvelle vague de nouveaux scientifiques qui sont formés, qui arrivent avec des certitudes, où vous voyez vraiment qu'ils ont une sensibilisation et un niveau de conscientisation par rapport à la communication, au personal branding et à la communication en général. Comment vous voyez cette évolution? Alors, dans l'état actuel des choses, je vais utiliser le mot frustration. Je sens une grosse frustration, effectivement, du fait de ce blocage, de ce frein hein, que représente la communication pour ceux qui ne savent pas comment s'y prendre. Et la volonté de, à partir de cette compétence scientifique, faire autre chose que purement de la science. Sans faire de prédiction ou quoi que ce soit, je pense que c'est logique parce que dans les nouvelles générations, on est quand même sur des personnes qui ont une éducation où le numérique prend une grande place, et le numérique, c'est plus un secret pour personne, a accéléré le rythme auquel on est exposé à l'information, à l'accès à tout type d'information. Et donc, à partir du moment où cet accès universel, instantané et remis à jour chaque seconde est devenu un standard dans la vie de chacun, ça paraît normal de s'inscrire là-dedans. Ce qui n'était pas le cas avant, évidemment. Donc, il y a toute cette technologie aussi des communications qui a accéléré le mouvement et qui provoque et cette prise de conscience et quelque part cette frustration de dire « mais nous aussi, on doit y être, on veut y être pour telle et telle raison ». C'est pas toujours les mêmes motifs qu'il y a derrière. Ça peut être lutter contre les fake news, ça peut être valoriser les résultats de la recherche, faire prendre conscience de certaines problématiques, montrer que des choses avancent même si on n'en voit pas toujours… le détail dans le grand public, expliquer, quelque part aussi justifier l'investissement dans la recherche, surtout quand il est public, appeler les citoyens à rejoindre des projets scientifiques. Donc, il y a tellement, tellement, tellement de choses à faire et ils ont envie de se lancer, ils n'ont plus envie d'être contraints, ils n'ont plus envie d'être, je ne vais pas dire passer sous silence parce que ça assimilerait à une notion de censure, je pense que c'est vachement extrême comme propos, mais en tout cas, ils ont envie d'être beaucoup plus libres dans la façon dont ils parlent de ce qui les passionne, c'est-à-dire ce qu'ils font tous les jours. Et si eux ont cet élan-là, c'est tellement authentique, c'est tellement vrai que c'est le meilleur moyen pour moi de reconnecter la société avec la culture scientifique et la science en général. Donc voilà, je pense que c'est un mouvement qui va s'amplifier. Je pense que là, on est en train, les petits atomes sont chacun de leur côté, puis ils vont former une seule masse à un moment donné, et ça va donner naissance à des choses très intéressantes, je pense. Et j'espère que ça,
Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a plein de scientifiques qui deviennent des entrepreneurs. Donc, quelque part, ça va infuser dans toutes les strates. Mais non, mais sans faire le jeu de mots, c'est la vérité. Mais c'est vraiment c'est un état d'esprit. Si ça, c'est là, ça restera. Et je pense que, en tout cas, dans les générations, je dirais à partir de 45 ans, on voit quand même cette volonté d'aller, et encore plus en dessous, mais je vois une frontière nette, on va dire, entre le avant, après, sans tomber dans les généralités, je ne suis pas en train de faire du jeunisme, quoi que ce soit, mais on sent que c'est une affaire aussi de génération. Donc, oui, absolument. Je suis absolument. Assez positive et optimiste sur l'impact de tout ça. Absolument. Au moins, il y aura ce côté bénéfique-là, c'est de la démocratisation du personal device et de l'accès à la communication. Au moins, ça pousse les scientifiques et plus jeunes, peut-être déjà, avoir un pied dedans. Après, il faudra leur donner des techniques. Mais c'est déjà une part du boulot, quoi. Et sans compter que la numérisation même des soins de santé les force à aller dans ce sens-là. Parce qu'on élimine beaucoup d'intermédiaires et on est dans une relation vraiment de plus en plus directe avec le patient, comme sur le marché, on est dans une relation de plus en plus directe avec le consommateur en général. Et c'est un parallèle un petit peu, j'ai pas envie de faire un parallèle maladroit, mais c'est une réalité. On est aussi tous des consommateurs, et donc ces habitudes de consommation sont ancrées dans nos autres pratiques au quotidien. La santé en fait partie. La télémédecine est en train de s'instaurer pour de bon dans nos habitudes de santé. Ça implique une communication différente. Parce qu'on ne va pas commencer à faire des volumes comme ça dans des absentés. Ça n'a aucun sens. Donc, il faut réfléchir à faire plus simple, à faire plus court, à éviter de rentrer dans les détails qui pour la personne qui est en face, n'ont pas d'importance ou n'auront pas d'impact sur la finalité. Absolument. Merci infiniment, Marie. On est arrivé à la fin de l'interview, à mon grand regret. Si vous me permettez peut-être encore deux petites questions, si vous avez un peu de temps. Quels sont vos projets pour cette fin d'année? Parce que vous avez parlé évidemment de l'aboutissement ou de lancement de la formation. Il y a aussi le livre qui sort en anglais. Oui. J'ai vu ça sur LinkedIn. Et quel sera votre agenda, je dirais, pour la fin de l'année ou le début de l'année prochaine? Alors, pour finir l'année, effectivement, donc il y a la version anglaise du site qui sera faite, et du livre et du site, les deux. Voilà. Donc c'est vraiment quasi fini. J'ai pris un peu de retard là-dessus, mais a priori ce sera fait avant le 31 décembre 2022. Sur la partie formation, donc là en soi le programme il est rodé, etc., et on a dépassé la moitié, donc elle se termine le 16 décembre, mais tout le programme, toutes les informations pour les prochains cycles seront en ligne déjà fin novembre pour commencer à remplir en fait les prochaines inscriptions. J'ai pas encore les dates fixes, mais a priori ça démarrait normalement fin février 2023. Donc ça c'est pour la fin de cette année, et l'année prochaine je vais m'attaquer donc à l'axe communicant. Et j'aimerais rassembler des têtes pensantes sur la façon de communiquer dans l'industrie de la santé, dans l'industrie pharma, pour donner forme aux pratiques de demain et réfléchir à comment on peut faire autrement, ou mieux, ou différent, en tout cas pour resserrer les liens et créer ou recréer de la confiance. Et puis d'autres projets aussi axés sur des formations, mais pour justement créer ce socle hybride entre le scientifique et le communicant qui permettra d'accéder à des postes dans l'industrie pharma et d'avoir des interfaces en fait qui permettent ce filtre en fait dans le niveau de langage scientifique. Donc ça, ce seront les deux gros challenges de l'année prochaine. Bah écoutez, ça, c'est très excitant tout ça, et on va vous suivre de près. Pour terminer, est-ce que vous auriez, je ne sais pas, un livre, un podcast, un film, un livre que vous avez lu? Ça peut être sur le business, ça peut être sur la communication, ou ça peut être sur n'importe quoi, quelque chose qui vous a inspiré, ça peut être quelque chose que vous avez lu enfant ou quelque chose que vous avez lu récemment. Vous avez carte blanche pour tout ce que vous voulez nous conseiller, nous recommander. Alors, moi, je suis plutôt axée sur les livres, hein, vous l'aurez compris. Celui qui m'a le plus marqué toute ma vie, c'est 1984. George Orwell, qui je trouve totalement d'actualité, comme quoi quand on est visionnaire ça ne s'invente pas. Ça c'est celui qui m'a le plus marqué et qui me donne vraiment à réfléchir sur la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Celui qui m'a poussé à faire tout ce que j'ai fait, ça va paraître très cliché parce que c'est devenu maintenant tellement un best-seller, mais c'est The Start With Why de Simon Sinek. D'accord. Ouais,
Et en fait, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais oui, le pourquoi avant tout le reste, quoi. Et c'est là où tout s'est déclenché dans ma tête et où tout s'est mis en place. Donc, je sais que beaucoup de personnes ont eu le même impact, mais moi, ça a vraiment été déterminant dans mon parcours, quoi. Alors absolument, alors le premier, moi j'avoue, je suis un peu inculte sur le plan littéraire. Les Orwell, je ne les ai pas lus, mais le Sinek, évidemment, je l'ai lu. Mais si je peux, pas nuancer, mais il vaut mieux lire le workbook du why que le livre premier qui s'appelle Why, parce qu'il est un peu ennuyeux, je trouve. Enfin, c'est mon avis, hein. Alors que le workbook est beaucoup plus intéressant, je trouve. Ouais, moi, je sais plus comment j'étais arrivée. Ah oui, si, je l'avais découvert. Je l'ai découvert via un autre auteur en fait de la maison d'attitude des héros. Son famille, c'est De La Faye, et j'ai un trou de mémoire sur son prénom, qui avait lui-même fait son propre livre, et il a commencé à parler des Golden Circles, et tout ça. Je me suis dit, c'est quoi ce truc? Et donc, je me suis renseignée, je suis tombée sur ce livre, je l'ai lu, et en fait, je ne prends jamais l'ouvrage en me disant, ouais, de A à Z, c'était génial. Évidemment, comme tout le monde, je prends des trucs qui m'ont vraiment interpellée et amenée à réfléchir. Et donc, c'était vraiment juste la notion de mettre le pourquoi au centre de tout. C'est moi, j'ai retenu Absolument. que ça de ce bouquin. Qui est le titre, mais pour moi, il y a ça à retenir, et après, le reste, c'est comme ça découle de source, quoi, parce que c'est logique. Et donc, voilà, c'est deux ouvrages qui, pour moi, étaient clés. Bien sûr, on les mettra dans l'article de blog. Le why de Simon Sinek et le workbook, je le mettrai à côté parce que c'est le workbook, je le conseille. Hein, Bah, il est beaucoup plus pratique, en fait, parce que comme j'ai un esprit plus pratique. Moins littéraire, voilà, donc moi c'est le workbook que je préférais. Merci infiniment Marine, ben, j'étais merci à vous. vraiment ravi de cette discussion et c'est vraiment très précieux ce que vous faites, important. Je vous souhaite plein de réussite et j'espère qu'on aura Merci. l'occasion d'échanger Mais j'espère à aussi. plusieurs reprises. Merci beaucoup. Je vous en prie.